Un vagin de fleurs et Zaline et Lélo. Ce que vous avez officiel, c'est l'autre. Je me présente au nom de M. Janvier Louvambanou Sori. Je suis prosèque de la province du Congo central, Mbanzangoungoudé. J'occupe trois secteurs, secteur de Kulungongo, secteur de Gombesside et secteur de Kivulu. Ah, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. J'ai un bon souvenir pour le patriarche Antoine Gizenga, malgré qu'il n'est plus avec nous. Si moi je me fais membre du Palou, et c'est suite à son comportement et la souffrance qu'il a endossée pour la lutte de notre pays. Et moi aussi, je suis volontaire dans les Palou. Un volontaire vraiment qui ne demande rien, mais qui va chercher un jour que je me retrouve aussi quelque part. Voilà, c'est ça que j'avais comme le souvenir du patriarche. Le patriarche a donné des énergies avec nous. Merci beaucoup. Et la position du parti au niveau de nos bases, parce que c'est presque dans toute la République démocratique du Congo et ailleurs. C'est lui qui va encadrer et il va encore continuer la lutte comme ce que faisait le patriarche Antoine Gizenga. Et nous évitons surtout qu'il n'y ait pas de division. Parce que s'il y a la division, c'est ça maintenant qui va perdre la crédibilité du parti. Mais vraiment, ce que nous voyons, que nous irons bien avec notre parti, et c'est lui qui viendra nous diriger, et on va toujours se soumettre devant lui. Thank you.
de fleurs, s'il vous plaît. Thank you.
Camarades journalistes, je ne voudrais pas ici, avec toute émotion qui m'a envahi en ces moments, pouvoir donner du témoignage ou parler de ce baobab qui vient de tomber. Messieurs les journalistes, moi particulièrement, je n'ai pas mené cette lutte pendant que je suis au Palu. J'étais d'abord enfant quand mon père, en 1964, dans sa promenade à Kilembe, il fut arrêté par les éléments de Mobutu. Je n'étais pas encore né. Il est arrêté par les éléments, les agents de renseignement de force de Mobutu pendant 7 ans et de Kasavubu. Et papa fut gardé dans ses geôles de Kilembe vers le pont Luangé pendant quelques temps parce qu'il appartenait à la famille Gizenga, mon père. Et quand nous sommes nés, c'est à ce moment-là que vers les années 80, oui j'ai dit je sais bien 80, mon père sera encore appréhendé par les éléments de l'ANDE, l'ancienne ANR, donc c'était la nationale à la documentation, l'ANDE, actuellement l'ANR. Il fut appréhendé également au niveau du secteur Kandal,
où il sera écroué encore pour des raisons d'appartenir, d'avoir fait traverser quelqu'un à notre port qui venait de Tchikapa avec des diamants. Et il sera traité pour quelqu'un qui avait facilité le passage d'Antoine Gizenga. Gizenga, comme c'était un mythe dans notre rayon, dans notre province, d'ailleurs au pays, vous le savez bien, on dira que c'est Gizenga qui est passé. Alors, tout vieillard, toute personne de aînée d'âge était considérée dans cette réunion-là de Fundji, c'est Antoine Gizenga. Alors mon père sera encore arrêté et pratiquement pendant ces temps, nous on était déjà aux humanités, on a surveillé les mouvements, pourquoi on doit arrêter notre père à Kandal. On ira là-bas, c'est un Gizengiste, Lande a également s'occupera de lui. C'était pendant la période qu'on écrasait tout ce qui devrait pratiquement prétendre ou être soupçonné d'appartenir ou de faire quoi que ce soit dans le genre des activités de subversion d'après le service de l'ANE. Alors à ce moment-là, de l'ANE, je dirais, vers maintenant les années 88, nous étions déjà pratiquement après avoir terminé le cycle des humanités, on devrait de toutes les façons faire maintenant l'université. C'est à ce moment-là que je comprendrai le méandre, j'entrerai dans le méandre des amis qui venaient de l'université de Brazzaville. Notamment, je cite Gavuba et les autres, Gitango et Gambango. J'entrerai dans ces mouvements-là parce que ce sont eux qui amenaient de trac, vous voyez. Et c'est avec des tracts, c'était pratiquement une lutte contre l'oppression des Mobutu pour dire que nous, on n'avait pas besoin de tout ça. Tu vois, la lutte d'Antoine Gizenga, c'était de défaire Mobutu. Et déjà en 88-89, nous, on allait sur les campus où pratiquement parler d'Antoine Gizenga, c'était quelque chose de très dangereux. Mais nous, on n'a pas lâché. Avec l'accompagnement de Maman Thérèse, on savait que les histoires allaient dans ce sens-là de changer l'évolution, l'effet des choses. Donc, Gizenga pour nous, c'est celui qui n'a pas voulu ou qui a incarné ce charisme-là de voir les choses aller dans le sens positif, dans le sens d'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Zaïrois d'ailleurs à ce temps-là, parce que lui a refusé, même Kinshasa, il l'appelait Léo. Vous voyez, il y a des gens qui vous diront pourquoi au Palou on parle de Léo au lieu de Kinshasa. Donc, Gizenga nous a donner cette façon de voir les choses dans le sens du bien. Et Gizenga nous a donné également le sens de former. Je suis formateur pour ne pas vous retenir. Je suis d'abord prosec et j'avais commencé par la formation des cadres au parti. Et en tant que cadre, tu vois comment nous nous battons pour que cette façon de voir les choses dans le sens de la solidarité, du socialisme, qui a été un mot étranger en 60, où pratiquement Gizenga était traité de communiste. Et vers les années de la recherche de la démocratie au pays, Gizenga n'a pas été compris. Vous savez, toutes ces étapes, c'est toute une école. Et nous, on est de cette école-là de Gizenga. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on nous appelle Gizengis ou pas, nous continuons à militer de cette manière-là. Aujourd'hui, Gizenga ne plie. Mais les professeurs du Palou. Oui, Gizenga n'est plus. Gizenga, c'est toute cette jeunesse que vous voyez. Gizenga, c'est le parti Lumumbi signifié, qui a une structure qui pratiquement fonctionne de cette manière-là, fonctionne au quotidien. Il n'y a pas une autre façon de faire les choses que nous lier à des textes qui régissent les partis et voir éventuellement pendant cette période comment les permanents qui est actuellement aux commandes du parti, comment il peut orienter la gestion au quotidien du parti. Donc il y a la paix, il y a le calme au parti. Nous allons avec tous les jeunes qui sont encore des jeunes gizengistes. Et d'abord Gizenga lui-même se disait qu'il est lumumbiste. Alors nous tous nous sommes des lumumbistes. Il n'y a pas de gizengistes, il y a des lumumbistes, parce que lui-même se disait lumumbiste. Et je déplore d'ailleurs cette façon de voir les choses des autres partis politiques qui, leurs leaders parlent de lumumbistes et ils parlent de
des Gisengistes, des Kabilistes, de ceci. Pourtant, Kabila lui-même était un Lumumbiste. Et Gisenga est un Lumumbiste. Donc ça ne sert à rien de gesticuler et d'aller dans tous les sens et de ne rester que dans cet esprit de Lumumba qui a cherché l'unité du pays, qui s'est appuyé sur la solidarité et l'amour de notre patrie. Merci.